Manon Marceau, Lma, en couple avec Julien Tanti, sa bague de fiançailles dévoilée. Il y a quelques jours, Julien Tanti et Manon Marceau ont posé leurs valises à Dubaï où ils ont rendu visite à Jessica Thivenin et Thibaut Cureau, installés depuis peu dans leur nouveau chez eux. Pendant leur séjour, les amoureux en ont également profité pour récupérer un bien précieux, à savoir la bague de fiançailles faite sur mesure que la jeune femme a dévoilée sur Snapchat. Le 26 février dernier, W9 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison des Marseillais Australiens. L'occasion de retrouver Julien Tanti, Jessica Thivenin, Paga ou encore Kevin Guedjoe Casting. Ces derniers ont fait la connaissance de quatre nouveaux, à savoir Chloé, Julia, Jérémy et Camille. Ils ont aussi retrouvé Benjamin Sama, déjà présent en 2014 dans la saison des Marseillais à Rio. Dans les premiers épisodes diffusés sur W9, des tensions ont éclaté entre Carla et Kevin à la suite de l'annonce de la bookeuse qui a convié la jeune femme à faire ses valises pour partir direction Sydney. Sur place, elle a participé à un shooting photo. Quant à Julien Tanti, si ce dernier attend de retrouver Manon Marceau, enceinte de leur premier enfant, il a confié à ses camarades de vouloir perdre du poids. Mais la tâche s'avère compliquée. Une bague faite sur mesure dans cette nouvelle saison des Marseillais Australiens, Julien Tanti et Manon Marceau ont concrétisé leur amour par des fiançailles dont les premières images ont été dévoilées dans le pré-générique dévoilé juste avant la diffusion des épisodes sur W9. Actuellement à Dubaï où ils ont rendu visite à Jessica Thivenin et Thibaut Cureau, les amoureux ont aussi pu récupérer la bague de fiançailles de la jeune femme. En effet, comme Manon Marceau l'a expliqué sur Snapchat, il ne s'agissait pas de sa bague définitive sur le tournage de l'émission. Après l'avoir dévoilée sur l'application, voir ci-dessous, la jeune femme a précisé que dès qu'elle aura accouché, elle organisera avec Julien Tanti leur mariage.